Bienvenue sur la chaîne Dylan Gaming. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo donc sur Mobile Legend. Un jeu qui est donc un MOBA. MOBA, c'est un e-sport. C'est le e-sport sur les ordinateurs. Donc, le MOBA, c'est du e-sport sur mobile. Voilà. Et donc, Legends of Mobile, Mobile Legends et un MOBA, ça veut dire que c'est un e-sport sur voilà sur PC, ça serait l'équivalent de League of Legends. Et donc Titanfall est un MOBA avec Clash Royale et Clash of Clans n'y est pas encore, il me semble. Allez, c'est parti. Donc je vous présente le jeu, je vais peut-être pas faire un combat maintenant. Donc là on a donc la page d'accueil. Vous allumez le jeu, vous tombez sur cette page. Il y a eu la mise à jour donc de Noël, il n'y a pas longtemps, bah, ce matin, avant que je fasse la vidéo. Donc on a un mode rencontre. Ensuite on a humain contre IA, donc ça veut dire contre une machine. C'est le camp d'entraînement. Mode rencontre, voilà. Donc on va dire que c'est le camp d'entraînement, l'humain contre l'IA. Ensuite on a l'onglet amis sur Facebook. Donc In Your Face est un des amis Facebook. Ensuite donc on a coffre médaille et un coffre gratuit donc, que j'ai déjà ouvert. Et ensuite, on a là des. Voilà, un peu comme style Clash Royale. Là, on a un héros. Oui, je parle en articulant car je suis enrhumé et du coup, je parle bizarre des fois. Donc, on a tous les héros qui sont disponibles là. Voilà. Eudora, Clint, j'ai déjà utilisé. Là, c'est la préparation. J'appelle ça la prep. Les emblèmes donc qu'on a passé level up déjà. Il nous en manque plus qu'une à faire passer level up. Après ça a débloqué niveau 6. Ensuite on a les habilités donc exécution etc. Les sorts quoi. Ça c'est les donc c'est les équipements. Voilà. Dégâts donc violents, dégâts jungle ou dégâts durabilité. Voilà. On choisit. Ensuite, le sac. Alors, je sais pas trop. Ok. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est ce qu'on récupère quand on fait. Là, donc, on a le magasin. Voilà. Il sert strictement à rien quand on a de diamants. Là, on a les héros qu'on peut acheter. Là, c'est l'apparence. On peut acheter l'apparence des héros. Là, on peut acheter des fragments. Non, fragments. C'est des trucs, des héros quand même. Et là, vente. Donc, voilà. Les trucs qu'on peut pas. D'ailleurs, je voulais remercier tous ceux qui étaient venus au live hier. Merci à eux. C'était super. On s'est très bien amusé. Tout le monde. Ça a plu à tout le monde, en tout cas. Alors, un message. C'est tout. Je les ai déjà lus. Allez, c'est parti. Donc, on va faire humain contre IA. Donc, en mode rencontre. Allez, c'est parti. Rencontrer maintenant. Estimation 15 secondes. Il faut que ça vienne quand même. Ah, voilà, c'est bon. On entre dans le jeu. Voilà, donc on tombe contre Renia, des Chinois, des. Et on choisit celui qu'on veut. Donc, on va prendre celui-là. C'est qui lui? C'est Eudora. Sorte de combat. Voilà, c'est tout. Ok. Ce serait bien que les autres se dépêchent un petit peu. Voilà, 2 déjà. Et 3 sûrement. 3 déjà. Donc c'est un 5 contre 5. Hein. C'est un MOBA, on joue à 5 contre 5. Et c'est du e-sport. Et le e-sport devient à la mode. Donc je vous conseille d'en faire un petit peu. Moi j'en fais beaucoup. Parce que j'ai besoin d'un initiateur. J'irai à la.
Ligne du milieu, c'est bien, on s'en fout. Parce que j'ai des jeux gérés à la jungle, c'est bien, on s'en fout. À la jungle. Parce que disons que j'ai des jeux, beaucoup de jeux MOBA. Donc Titan Ball, ça et Clash Royale, mais c'est des jeux sympas. C'est des jeux sympas, donc ils vont. Donc je vous fais montrer vite fait, et après on se quitte, parce que sinon ça fait une vidéo, ça fera une vidéo trop longue. Nous on a que 50% qui est chargé. Ça serait bien qu'on en ait 100. Allez. 55% aujourd'hui. Et c'est parti, donc là on a un stick et on doit mettre plus, voilà, pour pouvoir faire des attaques. Donc c'est parti, regardez, on va avancer. Donc là ça lag un peu parce qu'il y a Mobizen. Donc on choisit une ligne, la ligne du milieu, la ligne de droite, la ligne de gauche, et on y va. Donc voilà, et donc les autres, les ennemis apparaissent en rouge et nous il faut s'attaquer à eux. Et on gagne de l'argent à chaque récompense, quoi. Ah, voilà, par contre, je vais me faire niquer du coup. Voilà, on se ressuscite dans 19, 8. Voilà, donc je pense que vous avez compris un peu le principe du jeu. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, donc sur un autre MOBA qui sera Titan Ball ou Clash of Clans. J'ai décidé de refaire Clash of Clans, je sais pas trop. Allez, ciao, bye bye.